السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة أتعلم في سلسلة تعليم قراءة اللغة الفرنسية للمبتدئين. طبعا اليوم لدينا درس جديد، سنتعرف على صوت وحرف جديدين يتعلق أمر لو سون ك. سي لو سون ك. إذا نبدأ، دائما نلاحظ الصورة ثم نقرأ الجملة. دون لا بوتيك cette chemise me plaît, faites-moi un paquet. Donc je reprends la lecture de cette phrase. Dans la boutique, cette chemise me plaît, faites-moi un paquet. Que voulez-vous? Quelques vêtements. C'est pour qui? Pour mon mari. Que? Car? Quoi? Qui, qu'il, quel, qu'a, quand, qu'est. Alors, سنقرأ هذه الكلمات. Que veux-tu? La boutique, la musique, qui est là, qui t'est, qu'est-ce qui chante, 4, 40, le quatrième, 50, quand iras-tu à la mer? Le paquet, voici un joli bouquet de fleurs. Quoi? Pourquoi? Sur quoi es-tu monté? Quel jour? Quelle heure est-il? Quelque chose? دائما مثلا سنقرأ هذه الجمل. توك توك كي فراب à la porte 4 souris grises. Que voulez-vous? Quelque chose à manger. Voici 4 grains de blé et un peu de pain. Quand viendras-tu me voir? Demain, c'est promis. À quelle heure? À 4 heures après l'école. Pourquoi crées-tu? Là, une souris, quel peureux. الآن سنقرأ المعجم المصور أو الكلمات المصورة. Une barque, une lampe électrique, le quai du port, le quart du gâteau. Le retour de René. Les vacances. Le cadeau. L'oncle. Et la famille. Une jeune fille. Mireille. Le paquet. Et maintenant, les vacances sont finies. René doit repartir dans sa famille. Elle est allée ce matin dans une boutique. Elle a acheté quelques cadeaux, un paquet de tabac pour papa et des mouchoirs pour maman et pour Mina. Les phrases suivantes, الجمل الموالية. Il faut quitter l'oncle, la tante et Mireille. L'oncle a conduit René à la gare en auto. René prend un billet et va sur le quai. Quelle heure est-il? 4 heures. Quand le train part-il? Dans 4 minutes. René monte dans le train et pose sa valise. Un coup de sifflet, le train part. Au revoir, crée René, et merci pour ces bonnes vacances. إذا الآن مع فقرة الكلمات المصورة. Quelque, qui, quoi, que. Le bouquet, le paquet. Une barrique, le briquet,
une lampe électrique, le quai du port, le quart du gâteau, une barque. إذا كانت هذه آخر فقرة، شكرا لكم، يمكنكم تحميل الكتاب من صندوق الوصف، وإلى الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في درس جديد ضمن سلسلة دروس تعليم قراءة اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا في هذا الدرس نتعرف على صوت إيه. إذا كالعادة نلاحظ الصورة، بعد ذلك نقرأ الجملة. Pas de premier, pas de dernier, tournez, tournez les petits cavaliers. Yé, yé. C'est la fête au village, plus de tabliers. On a mis de jolies robes, les petits cavaliers tournent au son de la musique. Lier, viller, scier, nier, biller, tiller, dier, piller, nier. Donc je reprends la lecture de la phrase. Pas de premier, pas de dernier. Tourner, tourner les petits cavaliers. On va lire ces mots. Le cavalier, le papier, le panier, l'épicier, le grenier, le premier, l'atelier, le potier, le cahier, le fermier. Vriller, blier, crier. Oublier, l'ouvrier, le tablier, février, l'encrier, le sucrier. René, tu vas prendre ta plume, de l'encre et du papier blanc. Le papa de Suzanne travaille dans un grand atelier. À l'école, Rémi a été le premier et Julien le dernier. En janvier et en février, il fait très froid, c'est l'hiver. Ce matin, René est tombé en jouant dans l'escalier. Ouvre ton cahier, ouvre ton cahier neuf. Trempe ta plume dans l'encrier. Va vite acheter 2 kilos de farine chez l'épicier. Le jeudi, Michel va jouer dans l'atelier du menuisier. Quel est ton métier? Épicier, menuisier, vitrier, fermier. الآن مع الكلمات المصورة. L'encrier, le plumier, le petit menuisier, le potier, le tablier. Oui, le menuisier, un fruit, le puits, le bruit. Yer, le métier, le papier, l'atelier, un voilier. Ac, le sac,
le facteur, le lac, le tracteur. Q, un paquet, le briquet, qui, quoi, quand. الآن سنقرأ هذه الجمل. On va lire ces phrases. Le jeu des métiers. René est revenu à la maison. Il joue avec Mina au jeu des métiers. C'est Mina qui doit deviner. Il sonne le matin à toutes les portes. Dans son sac, il y a des lettres et des paquets. Qui est-ce? C'est le facteur. Elle est tout blanc, tout couvert de farine. Il fait du pain pour ton déjeuner. Qui est-ce? C'est le boulanger. Il travaille dans un atelier. Il a des clous et un marteau. Il coupe du bois. Qui est-ce? C'est un menuisier. Il a du papier et de l'encre sur les doigts. Je ne sais pas. Je ne trouve pas. Dit Mina, c'est un écolier, répond René. إذا الآن مع الكلمات المصورة. Le sanglier, le panier en osier, l'escalier du grenier, le tablier bleu de l'épicier, l'encrier, le plumier, le petit menuisier, le potier, avec, dans, par, pourquoi. إذا كانت هذه آخر فقرة، شكرا لكم وإلى الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة أتعلم في سلسلة تعليم قراءة اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا في هذا الدرس الجديد سنتعرف على حرف وصوت جديد. أول مرحلة نقوم بها هي نلاحظ الصورة أولا، ثم نقرأ الجملة. Voyez ces jolis enfants comme ils sont sages. Voyez ces jolis enfants comme ils sont sages. Henri est debout. Il a des pots pleins de peinture. Il peint. Oi, aïe. Voyez-vous sur la table les cubes, la pâte à modeler. On peut aussi demander des crayons de couleur. Et bien, nous allons قراءة الجملة. Je reprends la lecture de cette phrase. Voyez, voyez ces jolis enfants comme ils sont sages. الآن سنقرأ هذه الكلمات. On va lire ces mots. Les reins, la peinture, la ceinture, le seau est plein. Envoyer, se noyer, voyager, aboyer, le loyer. Payer, balayer, essayer, un rayon, un crayon. Mina a balayé la maison de sa maman. Tout est propre. Ce matin, chez le boulanger,
Mina n'a pas payé le pain. Hier, Mireille a essayé de coudre. Elle s'est piquée le doigt. Elle a essayé aussi de faire de la peinture. C'était vilain. Elle a dit, c'est moins facile que les crayons de couleur. Cette nuit, le chien du voisin a aboyé. Je l'ai entendu. René a fait un beau voyage. Il est content. Il veut repartir. Ne cours pas au bord du lac, tu vas tomber et te noyer. René a mis une ceinture en cuir, voyez comme il est beau. Maman a mis un tablier pour ne pas salir sa jolie robe. Un crayon, le voyage, Mina à balayer la maison. الآن مع الكلمات المصورة. Un verre plein. Maman a balayé. Mina a nettoyé. Des sacs de grains. Une ceinture. Et des allumettes. La lettre. Une omelette. Et le sifflet, le poignet, un crochet, il met. O, un O, la poste, le costume. الآن سنقرأ هذه الجمل. قبل ذلك لاحظوا معي هذه الصور. Le pompier éteint le feu de la peinture. René a voyagé. Il a pris le train pour revenir. Il est maintenant à la maison. Il est content. Il dit à sa maman, je vais essayer de faire une lettre pour mon oncle. Il prend du papier et un crayon noir. Voyons, dit sa mère, il faut écrire à l'encre. René trempe sa plume dans l'encrier. Il écrit une lettre, il écrit bien. Il met la lettre dans une enveloppe. Je vais la porter à la poste. Dit René. Quand on veut envoyer une lettre, dit maman, on colle un timbre. Voilà de l'argent pour le payer. René va acheter un timbre. Il le colle sur l'enveloppe. Puis il porte sa lettre à la poste. إذا الآن نصل إلى الكلمات المصورة والكلمات البصرية. Il y a, rien, combien, quand. Le pompier éteint le feu de la peinture. Une ceinture. Les rayons de la roue, un verre plein, maman a balayé, des sacs de grains, Mina a nettoyé. إذا كانت هذه آخر فقرة أذكركم يمكن تحميل كتاب Bien lire et comprendre من صندوق الوصف في صيغة PDF. شكرا لكم وإلى الدرس القادم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في سلسلة تعليم قراءة اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا في هذا الدرس الزجي سنتعرف على حرف آخر يتعلق الأمر ب la lettre F comme il s'écrit avec P et H. إذا دائما نبدأ بملاحظة الصورة. لاحظوا Sophie sur la balançoire. F F Sophie Fa, feu, fi, fo, fon, fon, fin. S, S. La balançoire. Sa, soi, son, su. Le téléphone, un éléphant, une belle photographie. Un garçon, un maçon, la leçon, les phares, un reçu. Au zoo, Suzanne a vu un phoque, des girafes et un éléphant. Papa, le maçon, a téléphoné. Il viendra demain matin. Fier, phare, fier. Ensuite, on va lire le jumel. Grand-père a télégraphié. Grand-mère est très malade. Michel y allait à la pharmacie. Il a acheté du coton. René a reçu une lettre de son cousin. Le pharmacien. Jacques viendra bientôt. Il doit nous télégraphier. Il est midi, mon garçon. La pharmacie est fermée. Et maintenant, on va lire les kalimat al-musawwara. Les maçons. René apprend sa leçon. Un téléphone, les phares, le photographe, c'est le maçon répare la façade de la maison. F, l'alphabet, Philippe, un électrophone. On va lire ces phrases. La lettre de René. Mercredi 3 octobre. Mon cher oncle, je suis maintenant revenu à la maison. Je me suis bien amusé avec vous. Je veux remercier de tout mon cœur. نقرأ كذلك هذه الجمل. Ici, tout le monde va bien. J'ai bien travaillé à l'école, j'ai été sage. J'ai su mes leçons et j'ai gagné une image. Mon cousin Jack, le pharmacien, a téléphoné. Il va venir nous voir la semaine prochaine. Il apportera les photographies de ses voyages. Grand-mère aussi a téléphoné. Elle va mieux. Mina ira déjeuner chez elle demain. Je te quitte. Je vais aller jouer avec François. Un garçon qui a 8 ans comme moi. Je t'embrasse bien fort. René. إذا الآن مع فقرة الكلمات المصورة والكلمات البصرية. Comme ça, ça fait combien? C'est ça. La maison, un phoque, l'électrophone,
photographe. René apprend sa leçon. Un téléphone. Les phares. Les maçons. إذا كانت هذه آخر فقرة، شكرا لكم وإلى الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة أتعلم في سلسلة تعليم قراءة اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا في هذا الدرس الجديد سنتعرف على حرف آخر يتعلق بالصوت أو لو سون غو و غي. إذا دائما واحد الصورة ونقرأ الجملة. Tu es bien fatigué, Miro. Tu tires la langue. Gu. Après une longue marche, le chien est fatigué, il tire la langue. Une grande langue rouge. G, gué, gué, gui, guir, gué. Gué, gué. La fatigue. Une jolie bague, la langue, gai, gai, je suis fatigué, le malade est guéri, la guêpe, gui, une guitare, le guidon du vélo, guignol. Maintenant, on va lire ces phrases. Les vagues de la mer. Guy est venu jouer avec René. La gueule du chien. Un bouquet de muguet. Une figue. Une bague au doigt. Le chien guide le pauvre aveugle. Une guêpe a piqué bébé. Bébé a mal. Il pleure. Chut, papa a beaucoup travaillé. Il est fatigué. Il dort. Michel est malade. Voici le docteur. Montre ta langue. Ce n'est rien, c'est un peu de fatigue. Tu as trop joué. Un peu de tisane, 2 jours de repos et tu seras guéri. Es-tu guéri? Montre-moi ta langue. Tu es fatigué. إذا الآن مع الكلمات المصورة. Le guidon, une guêpe, une guirlande. Ch, la chasse, le chien, la marche, la chance. De l'herbe, de bonne heure, aujourd'hui. La langue. La fatigue, une longue route. On va lire ce texte. La chasse. Le père de René aime la chasse. Ce matin, elle s'est réveillée de bonne heure. Il a quitté la maison à 6 heures du matin. Il a pris son fusil, son chien et parti avec lui. Il a marché dans les champs et dans les bois. Un lapin sort du bois. Papa tire, pom. Le chien court. Mais le lapin n'est plus là.
Elle est partie. Miro revient. Un oiseau s'envole. Papa tire. Pom, pom. L'oiseau n'est pas blessé. Le chien court. Mais l'oiseau vole encore et s'en va. Voici un autre lapin dans l'herbe pend. Le lapin court toujours, Miro ne rapporte rien. Papa n'a pas de chance aujourd'hui. Et le chien est bien fatigué. Il tire la langue, une grande langue rouge. إذا الآن مع الكلمات المصورة والكلمات البصرية. Bonjour. Au revoir. Salut. Guignol. Une bague. Le muguet. Une marguerite. Le guidon. Une guêpe, la guitare, une guirlande. إذا كانت هذه آخر فقرة أذكركم دائما بإمكانية تحميل كتاب Bien lire et comprendre Bien lire et comprendre من أسفل الفيديو. شكرا لكم وإلى الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في درس جديد ضمن سلسلة تعليم قراءة اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا في هذا الدرس سنتعرف على صوت جديد يتعلق الأمر ب إت و إل. إذا دائما نلاحظ الصورة. À table grand-père. À table grand-père. La soupe est dans les assiettes. Et elle, une belle famille. La mère appelle à table tout le monde. Vois-tu Mina? Vois-tu l'assiette et la serviette du grand-père? Donc je reprends la lecture de la phrase. À table, grand-père. La soupe est dans les assiettes. Et la toilette, la fourchette, la serviette, les lunettes, la cigarette, une omelette, Odette, je jette l'eau. Elle, le sel, le caramel, Michel, Gabriel, le ciel, le gel. Elle, la pelle, une échelle, une belle maison, la ficelle. Maintenant, on va lire ces phrases. Ne jette pas le pain. Mon grand-père a cassé ses lunettes. Gabriel est monté à l'échelle. Le ciel est bleu. Elle fait beau. J'ai reçu ce matin des nouvelles de mon oncle. Il va bien. Voici la fourchette, le couteau, les assiettes et la serviette. Michel a acheté un nouveau livre et une nouvelle règle. Odette s'amuse sur le sable avec une pelle et un petit seau. Une hirondelle a fait son nid sous le toit de notre maison. Bonjour. Mademoiselle
Je voudrais de la dentelle. Michel, voici ton assiette, ta fourchette et ta serviette. الآن مع الكلمات المصورة. La brouillette, la fourchette, l'hirondelle. Est la cuvette, la fourchette, une allumette. Elle, tu es belle, comment t'appelles-tu? Et la bouteille, une vieille maison. الآن سنقرأ هذا النص. On va lire ce texte. Chez grand-mère. Grand-mère habite à la campagne. Elle a une grande maison un peu vieille, mais très propre. Mina est venue ce matin. Elle a, ou bien il a joué dans la cuisine. Elle a été sage. Elle n'a pas touché aux allumettes. Elle a aidé grand-mère à mettre la table. Elle a mis les assiettes, les couteaux, les fourchettes, les verres. Elle a mis aussi des serviettes propres. Et elle a apporté deux bouteilles de vin. Tu es gentille, ma belle, dit grand-père. Tu te tiens bien à table. Après le déjeuner, je te ferai une surprise. Qu'est-ce que c'est, grand-père? Tu le verras. Je ne peux pas te le dire, c'est une surprise. C'est une surprise. إذا الآن مع الكلمات المصورة والكلمات البصرية. Où, quand, avec qui. La selle, l'échelle, l'étiquette, la sauterelle, la brouillette, la fourchette, une caravelle, l'hirondelle. إذن شكرا لكم وإلى الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة أتعلم ضمن سلسلة تعليم قراءة اللغة الفرنسية للمبتدئين. اليوم في هذا الدرس الجديد سنتعرف على صوت وحرف جديد. إذا نلاحظ دائما الصورة. Un petit animal gracieux, gracieux, une bichette aux jolis yeux, yeux. Un corps gracieux, cieux, vieux, mieux, dieu, lieu, pieux, jeu, rieux. L'un sera à dire les kalimats. Le jeu, tu veux, un peu, deux oreilles, ou on appelle deux oreilles, les cheveux. Ie, le milieu, le pieu, mieux, un vieux cheval, adieu. Maintenant, on va lire ces phrases. On va lire ces phrases. Il est midi. Mina est allée déjeuner chez sa grand-mère. La grand-mère a posé la soupe au milieu de la table. Le grand-père est vieux,
mais il a l'air malicieux. Cette semaine, le père de Rémi a été malade. Il va mieux. Tu veux jouer avec moi? Non, merci. J'aime mieux lire. La cousine de Mina a des yeux noirs. René est joyeux et l'a caressé la bichette. Heure, heule, œuf. Un pêcheur tout seul sur la mer. Un beau bateau tout neuf. Un chasseur maladroit. Le facteur chante et il est heureux. René se promène. Voici un bœuf. René a peur. Il court. Grand-père voit mieux. La bichette a de jolis yeux. الآن مع الكلمات المصورة. Le vélo moteur. Le milieu de la route. Le bœuf. 9 heures. Le coiffeur. Ieux et les vieux. Au milieu du jardin. Ien, viens avec moi. Tiens bien le chien. La surprise. Mina sait se tenir à table. Elle ne parle pas. Elle tient bien sa fourchette. Elle a mérité une récompense. Viens avec moi, Mina, dit grand-père. Ils s'en vont au jardin. Oh, dit Mina. Au milieu du jardin, dans une cage, il y a une jolie bichette avec de grandes oreilles et des petits yeux très doux. Je l'ai trouvée hier dans la forêt. Elle va mourir sans sa maman, dit Mina. Non, je vais lui donner du lait tous les jours et quand elle sera grande, je la rapporterai dans la forêt. Mina caresse la bichette. La bichette a peur. Elle tremble. Mina lui parle doucement. La bichette approche à petits pas et lèche la main de Mina. إذا الآن مع الكلمات البصرية والكلمات المصورة. Le lieu, le milieu, le dieu. Le coiffeur, le pieu. Une vieille dame. Un vieux monsieur, le bœuf, le vélo moteur, 9 heures, le milieu de la route. إذا كانت هذه آخر فقرة، شكرا لكم وإلى الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة أتعلم في درس جديد ضمن دروس تعليم قراءة اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا في هذا الدرس نتعرف على أصوات جديدة. دائما نبدأ بملاحظة الصورة
ونقرأ الجملة. Bon appétit, petit écureuil. Écureuil, écureuil, œil, œil. L'écureuil, la feuille, teuil, deuil, feuille, seuil, reuil, veuil. Œil, œil. L'œil de l'écureuil. Donc je reprends la lecture de la phrase. Bon appétit, petit écureuil. Un salakra a dit le jumal. Grand-père est assis, on a dit, est assis dans le vieux fauteuil. Il fume la pipe. René a offert à son père pour sa fête un portefeuille. Le facteur s'arrête sur le seuil de la porte, va vite voir. La tante de Lulu vient de mourir, sa famille est en deuil. Pour sortir le seau du puits, on se sert d'un treuil. Avez-vous déjà vu un écureuil? Il a des dents pointues, des petits yeux ronds et une longue queue. Il vit dans les arbres, ou bien on appelle les arbres, les feuilles, l'eau cache. Celui-ci n'est pas farouche, on peut lui donner à manger. Que tient-il dans ses pattes? Des noix, des noisettes? Non, devinez. Un petit écureuil, les feuilles, le seuil de la porte. Le treuil, le seuil de la porte, le fauteuil, le portefeuille. La marque du pluriel. Il y a une علامات الجمع. Kalima fi al-jama, mada sanulahidu alayha. Des lettres qui ne se prononcent pas. Il y a une حروف la tontaq, مثلا S, نقرا, des poules grises, des poussins, des lapins. En, les poules picorent, les lapins mangent. Des oiseaux, des sauts, des gâteaux. Dans le jardin de grand-père. Dans le jardin de grand-père, il y a aussi des poules grises et des petits poussins jaunes qui ont 4 jours. Tiens, Mina, donne du grain aux poules. Mina jette du blé. Les poules picorent les grains. Et les poussins, dit Mina, que faut-il leur donner? On leur donne du pain trempé dans du lait. Et les lapins, que mangent-ils? De l'herbe, des feuilles de salade, du pain. Mina ouvre la porte du cage. Mina ouvre la porte d'une cage. Elle tient dans sa main des morceaux de pain. Le lapin prend un morceau avec ses dents, mais il mord aussi le doigt de Mina. Le doigt saigne un peu. Mina se met à pleurer. Méchant lapin, dit Mina, tu m'as mordu. Ce n'est rien, dit grand-père en riant. Il embrasse Mina. Et
Ta moustache dit Mina, ça pique. Grand-père rit, Mina aussi se met à rire. إذا الآن مع الكلمات المصورة. Le lieu, le milieu, le dieu. Les oreilles et les pattes du lapin. Combien y a-t-il de poussins? Le treuil, le seuil de la porte, le fauteuil, le portefeuille. إذن كانت هذه آخر فقرة، شكرا لكم وإلى الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم متابعي قناة أتعلم ضمن سلسلة تعليم قراءة اللغة الفرنسية للمبتدئين ومع درس جديد. اليوم سنتعرف على هذا الصوت سيون سيون. إذا دائما نلاحظ الصورة ونقرأ الجملة. Gare à tes doigts mon garçon. Fais attention. Ion ion le camion. Vion, mion, nion, dion, sion, bion, gion, rion, pion, sion, sion. La récréation, la punition, l'opération, la direction. Je reprends la lecture de la phrase. Gare à tes doigts, mon garçon. Fais attention. Ion, le lion, le camion, l'avion, la région, le pion. Sion, l'opération, l'émotion, la ration, la condition. Un petit marteau, dix clous. Voici un jeune menuisier. Que fais-tu, petit menuisier? Je fais des réparations. Que répares-tu, petit menuisier? Mon camion et mon avion. Ne tape pas sur tes doigts, petit menuisier. Je sais travailler et je fais attention. Pierre a été renversée par un camion. Elle n'a pas été blessée. Mais quelle émotion! Il faut faire attention dans la rue. Ce camion roule vite. Fais attention. Ne traverse pas. إذا الآن مع الكلمات المصورة. L'avion a réaction. Le camion, les pions. Des mots difficiles. Il s'appelle Didier. Il a des outils. Il apporte un ballon. Une vieille table, un pot de peinture. Le doigt, aujourd'hui, fais donc attention. Une soustraction, attention. On va lire ce texte. L'atelier de Didier. René a un petit camarade qui s'appelle Didier. Didier habite au bout de la rue. Dans son jardin, il y a une petite maison en bois. Pour ranger les outils de papa, papa, veux-tu me donner la petite maison? Demande Didier.
Ce sera ma maison pour jouer. Dans la petite maison, Didier a mis ses livres, son ballon, son avion en bois, son camion rouge. Il a apporté aussi une vieille table, un marteau, 10 clous et un pot de peinture. Aujourd'hui, René est venu le voir. Que fais-tu avec ces outils? Demande René. Je répare mon camion. Il a une planche cassée. Donne-moi ton marteau, dit René. Je vais faire la réparation. René prend un gros clou, élève le marteau et pend, il tape sur son doigt. Aïe, 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 crie René. Fais donc attention, René, tu es maladroit. C'est sur le clou qu'il faut taper. إذا الآن ننتقل إلى الكلمات المصورة والكلمات البصرية. تو، توت، توس. Un lampion pour la fête. Attention, ralentir, école. Une soustraction. Le lion. L'avion à réaction. Le camion. La direction. Les pions. إذا كانت هذه آخر فقرة. شكرا لكم وإلى الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في دروس تعليم قراءة اللغة الفرنسية للمبتدئين. اليوم لدينا الدرس 50 ومع حرف جديد سي لو سون إكس. إذا نلاحظ الصورة دائما ونقرأ الجملة. Une promenade au zoo mieux qu'un taxi, un dromadaire. Félix et Maxime sont sur le dos du dromadaire. X, X. Le taxi, la boxe, la taxe, Maxime, Félix. إذا لاحظوا الآن. Une exposition, une explication, une explosion. إذا هنا إكس ننطقها ز، دوزيام، سيزيام، ديزيام. الآن سنقرأ هذه الجمل، أون فوا ليغ سي فراز. لونكل دو ماكسيم إيم بوكو لي سبور. إيل إيم لا بوكس، لا ناتاسيون، إي لا مارش. ديمونش روني ماكسيم إي سون أونكل ont pris un taxi. Ils sont allés voir un match de boxe. Il avait des places au deuxième rang. René n'aime pas la boxe. Les boxeurs tapent trop fort. Ils doivent se faire mal, dit René. J'aime mieux les courses de bicyclette et moi un match de football, dit Maxime. La lettre X se prononce gz. Un exemple, un exercice, l'heure exacte. On a X tontak S. 6, 10, 60, 70. À l'école, René a fait un exercice de calcul
Et il a trouvé la longueur 70 mètres. On a quoi 70. 10. C'est bien, René, a dit le maître, tu auras 10. René est joyeux cette semaine, il n'a eu que 10 bonnes notes. Un 6, 2, 8, 3, 9 et un 10. C'est papa qui va être content quand il signera le cahier. Deux taxis rouges, 10 exercices, le deuxième étage. Encore une page de mots difficiles. L'espoir, l'escalier, l'escargot. J'espère que tu sais nager comme René. Rémi est tombé dans l'escalier et il s'est fait mal. Le sport, le spectacle. La natation est un sport agréable et utile. Le scarabée, l'année scolaire. Un petit scarabée noir court dans le chemin. Le stade, la statue, le stylo. René écrit à la plume et papa écrit au stylo. Il y a de belles statues dans le parc du château. نلاحظ هنا لدينا لو أشميي أي أن الحرف لا ينطق في بداية الكلمات. Un homme, une hirondelle, un habit, un cahier, le thé. Rémi joue de l'harmonica. Il joue bien. Les hirondelles sont revenues. L'hiver va finir. L'an مع le H aspiré. Une hache, le héron, le hasard, la haie en haut. Le héron a un long bec, un long cou et de grandes pattes. Le bûcheron abat des arbres avec une hache, il frappe fort. Des lettres qu'on ne prononce pas à la fin des mots. Il a dit le chorof, la nantekoha, fi akhir, a dit le kalimat. Deux, une noix, le prix, une voix douce, la toux du malade. Le rat, le pot, le lait, un cahier vert, un garçon méchant. Le point, le sang, mettez-vous en rond, un long bec. Le galop, le sirop, tu es trop petit, un drap, un coup de poing. D, le renard, le canard, un enfant gourmand, je suis grand. L'harmonica, deux sportifs, le toit pointu du moulin avant, un statut en parachute, un stylo à billes, le hérisson, une hache, le petit porc. إذا كانت هذه آخر فقرة، شكرا لكم وإلى الدرس القادم.